Ok les potes, c'est Galoupa, j'espère que vous allez bien les potes. Écoutez, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dressing avec mademoiselle Charlotte Pouget. Hello. Voilà, de sa chaîne YouTube Charlotte Pouget. Voilà, anciennement style ennemi, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur Instagram également. Voilà, comme tous influenceurs qui se respectent. Hein, voilà. Un peu, c'est ça. Voilà. Les potes, pour vous rappeler tout de suite, je vous dis direct, on a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube juste avant. Ce sera en barre d'infos, donc petit lien. Allez voir ça, c'est une vidéo très très cool. On a parlé de très mode. Très intéressant, ouais. Ouais, on a parlé de mode, de streetwear et tout, parce que bah elle est vraiment très pointue sur tout ce qui est mode global. Défilé, haute couture. Voilà. Mais le streetwear, c'est pas mon truc. Voilà, et du coup, elle m'a invité pour qu'on puisse parler de streetwear. C'est ça. Avec le plus de connaissances que j'ai. Voilà, je suis pas un expert là-dedans, mais j'ai quand même des petites connaissances qui font que bah, ça pue. Donner quelque chose de cool. C'est ça, et, voilà. Et m'apprendre plein de trucs aussi. Ouais, surtout elle, hein, surtout elle. Elle a fait des petites recherches et tout, donc vraiment, franchement, elle a fait le truc carré, tu vois. Donc voilà, allez voir ça les potes, likez évidemment, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, ou Instagram, c'est la base, tu vois. Donc les potes, écoutez, après le générique, c'est parti, on y va. Les potes, on se retrouve maintenant. Écoutez, on va commencer directement les questions. Et la première question, petite Charlotte. Dis-moi tout. T'es qui en fait? Excuse-moi. Alors moi, je suis Charlotte. J'ai fait des. Non. Comment être sérieux? On t'écoute. Je suis Charlotte. J'ai 26 ans. J'habite à Lille. J'ai fait des études de mode, de design de mode. D'accord. Et maintenant, je suis ce qu'on peut dire influenceuse, youtubeuse. Dans le domaine de la mode. T'aimes quoi dans la mode? J'aime quoi? Moi, ce que je préfère, c'est vraiment regarder les défilés, ouais. Les analyser, les étudier, voir l'actualité des marques. Et c'est vraiment les défilés prêt-à-porter moi, que je préfère, plus que haute couture ou quoi. Défilés femmes, parce que c'est là où je me retrouve le plus, même si je regarde vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment le domaine que je préfère. Après, dans la mode pour porter, moi je suis, je pense pas avoir un style particulier. J'aime des choses assez simples, beaucoup de noir, beaucoup de blanc. Autant voilà, j'aime beaucoup la mode pour l'étudier, autant pour la porter, je suis relativement simple. D'accord. C'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode avec toi, parce que voilà, beaucoup de gens vont se... les gens en tout cas que je contacte pour le dressing vont s'apparenter à ce qu'ils ont vu sur ma chaîne au niveau des dressings que j'ai déjà fait auparavant avec d'autres personnes. C'est pas le fait d'avoir des marques de ouf ou des pièces de ouf, c'est la personnalité de la personne, le rapport que la personne a avec la mode. C'est vraiment la personne avant le fait qu'elle ait des belles pièces ou quoi. Et ça, c'est vraiment le concept du dressing. Oui. On peut avoir une vision mode sans forcément la porter ou vouloir absolument la représenter sur soi. De ouf. Voilà. Tes inspirations mode? Mes inspirations, alors actuellement je vais dire que c'est plutôt sur Pinterest de façon générale. D'accord. Ça va être, bah, comme tu le dis, ça va être plus des univers, des... Moi quand je regarde une personne, une photo, certes il y a des gens où je vais dire ils ont un bon style, ils portent bien la mode sur eux, etc. Mais je vais préférer, tu vois, des gens qui représentent un univers, un truc, tu vois, qui dégagent quelque chose. Et du coup, en plus, je vais pas forcément être inspirée ni par des gens de mon âge, ni par des gens qui me ressemblent. Ça peut être des comptes hommes. Moi, l'une de mes icônes mode favorites, c'est Iris Apfel, qui est quand même une dame très âgée, mais qui a une vision mode de fou, enfin que je l'adore. Donc voilà, tu vois, ça va être des inspirations comme ça. Après, bien évidemment, comme je regarde beaucoup de défilés, des fois il y a des univers de créateurs, il y a des pièces, tu sais, que je vais me dire cette pièce j'aimerais trop l'avoir dans mon dressing et tout, tu vois, des choses comme ça. Mais mais voilà, quand j'étais plus jeune, que j'ai débuté un peu à m'intéresser à la mode, j'avais des gens qui m'inspiraient, des stars style Vanessa Jens. D'accord. C'était totalement ma génération, en plus cheveux noirs, tout ça, je me reconnaissais un peu en elle. J'adorais aussi les Sœurs Olsen. Vraiment ma passion, je les aime toujours beaucoup, en plus avec leur marque Zoro, je les adore. Mais voilà, maintenant j'ai moins des personnalités où je vais les suivre parce que je veux un peu, parce que je vais me projeter, je veux leur ressembler ou quoi. Tu vois, maintenant ça va être plus un univers que je veux représenter plus que ça, voilà.
Très bien. Dis-nous quelle époque t'inspire le plus? Vraiment, actuellement. Actuellement. Ouais, je dirais actuellement parce que j'aime la mode qu'on voit actuellement. D'accord. Après, j'aime beaucoup aussi, enfin pour parler de défilé et tout ça, j'aime beaucoup aussi l'époque que je n'ai pas vécue malheureusement, que en tout cas j'aimais pas la mode à ce moment-là, enfin j'aimais pas, je ne m'y connaissais pas en mode. D'accord. À ce moment-là, mais tu vois, avec Macrine, Galliano pour Dior, tout ça, j'aurais tant aimé ça vivre cette époque, ouais. et baver et vibrer devant leur défilé. Maintenant, on est plus dans une mode commerciale qui me correspond, qui me va et que j'aime beaucoup. D'accord. Mais c'est vrai que la mode un peu, même à la Jean-Paul Gaultier, les cheveux et tout, j'aurais c'est tellement aimé, en fait. Ouais, j'aurais aimé pouvoir le vivre avec mon âge, tu oui. vois, et regarder ces défilés-là et me dire, oh, ouais, ça c'est un... ouf. Ouais. Charles, dis-moi tout. Nous sommes dans son dressing maintenant. Son dressing, bon, il n'y a pas que ça évidemment, hein, mais il y a ça, mais il reste petit mon dressing. Écoute, tu vas nous montrer pour commencer, ouais. Tes paires et pour commencer ta paire la plus chère. La plus chère, elle se trouve là-dedans puisque c'est une paire d'été. Hop, c'est une paire Chloé. Sachez okay. que la boîte est dégueulasse, mais c'est pas ma faute. On me l'a vendue comme ça. Je trouve que c'est une honte. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et du coup, c'est cette paire-ci qui vaut 690€, je crois. Ok. Je sais que... Enfin, beaucoup disent « Oh, 690€ dans une paire de sandales !» Mais j'en ai toujours rêvé. D'accord. Je sais pas pourquoi, d'où ça me vient, j'avais une obsession pour cette paire et du coup, c'est le premier achat de luxe que j'ai fait. D'accord. Je te jure. Et je l'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup trop. Regardez-vous par contre pour l'été et puis là, on peut imaginer que c'est du cuir au-dessus et tout, donc... Ah, j'adore. Mais ça, vous voyez, c'est l'influence de Vanessa Hudgens. Ça, c'est oui. mon obsession d'adolescente. Parce que oui, il me semble qu'elle avait pas mal de paires comme ça. Tout comme je suis obsédée par le sac City de chez Balenciaga. Okay. Noir avec les gros détails dorés, oui. à cause de Vanessa Hudgens, et c'est vraiment des obsessions d'adolescente qui me sont restées et ça en fait partie. D'accord, très bien. Maintenant, entre nous ta paire que tu mets quand le temps est moche, quand il fait moche, comme à Lille actuellement. Comme à Lille actuellement. Enfin, je dis Lille à Paris, la France entière quoi. Bah je dirais que ce sont les chaussures que je porte, des bottes très mastoc. Mais du coup, j'ai il y a aussi... des bottes de CRS, ça me tue. Bah, celle-là, c'est pire, non? Ou celle-ci, tu vois, des grosses J'avoue. Bottes comme ça, qui tiennent bien chaud, la pluie ne peut pas s'infiltrer. Ouais. Encore plus quand je suis en combi comme ça, tu vois, genre rien ne peut s'infiltrer. Du coup, ouais, ça serait ce genre de grosses bottes que j'adore. D'accord. Elles viennent d'où, celles-là? Celles-ci, ce sont des Public Desire. D'accord. Et celles-ci, je les avais eues sur Zalando. Zalando, d'accord. Au cas où, si dans les commentaires, on te demande. Ta paire que tu portes le plus? Celle que je porte le plus, bah du coup ce sont mes seules baskets. C'est vraiment les chaussures qui sont dans mon entrée et que je porte avec tout et n'importe quoi. D'accord. Quand j'ai la flemme, c'est pas des baskets de fou hein. Et d'ailleurs à chaque fois, parce que c'est pas ma première paire de baskets blanches, dès qu'elles sont un peu trop usées parce que je les mets tellement souvent que voilà, ouais. bah en fait j'en rachète une. D'accord. Après, c'est trop usé. Les Balenciaga triple S toutes blanches, elles me font de l'œil, tu vois. Ouais. Mais bon. C'est ma stock, hein. Ouais, mais j'adore. On a déjà porté juste pour essayer? Non. Elles sont très très lourdes au pied. Hein. Ouais, et mais. Et les premières fois que tu vas les mettre, t'auras très mal au tibia. C'est vrai? Ouais. Ouais, mais ça fait du sport, tu vois. Genre, ah, on allie ouais, okay, mais... esthétique et sport. Ah non, mais pas de soucis. Mais c'est vrai que franchement, pour en avoir eu, moi j'étais revendu depuis, mais. C'est vrai? Ouais, mais franchement, mais pourtant, les premiers jours. J'ai des copines qui les portent genre en mode chill, tu vois, en mode comme moi je porte mes vieilles baskets blanches pourries, tu vois. Sérieux? Ouais, je te jure. Mais après, c'est dans l'habitude, maintenant c'est bon. Mais ouais. En fait, c'est que au début, genre au début quand tu Il les. Il faut s'y faire. La semelle, genre, c'est la triple semelle là. Et ben en fait, ouais. ça fait quand même un poids là, mais au bout du pied, si quand tu marches à... avec, ouais. c'est au début, tu mets une tribuche, tu fais... Ah mais comme j'ai l'habitude des trucs de ma stock, tu vois. Ok. Maintenant, ta paire, la plus chill, pour chiller, donc pour sortir, ou alors pour rester chez toi, si tu mets une paire quand tu es chez toi. Ok, ou... j'en ai une. Ouais. Tu vas les adorer. Oh non.
sont mes fausses hugs, parce que ce ne sont pas des vrais. Ah, il y a des fausses hugs. Bah ouais, regarde, mais tu sais que je les ai achetées, j'ai calculé, il y a 8 ou 9 ans. C'est-à-dire que cette paire a 8 ou 9 ans, je la mets tous les hivers. C'est une blague. Je te jure, c'est fou. 8, 9 ans, mais... Et je les ai achetées genre 25€ à l'époque, tu vois. Dans un petit... pour ceux qui connaissent la rue de Rome à Marseille, voilà, je les avais achetées là-bas il y a 8 ou 9 ans. Et écoutez, je... Elles sont pas encore trop crevées, hein. Non, t'as vu ? 8 ou 9 ans ! Regarde, le truc, tout le monde dit oui, si ça tombe. Non, ça tombe pas du tout. Jacob ! Ouais, par... Ouais, oh putain, faut trouver des photos pour mettre ça au montage. Mais c'est... Phobie ! Oui, mais c'est... Généralement, c'est pour ça qu'on n'aime pas ce genre de paire, pour ce machin qui tombe. Mais regarde. Ça fait aimer. C'est pas forcément vrai. Bah, là, du coup, c'est des fausses hugs et ça le fait pas, tu vois. Ouais, bah... Des vrais hugs que je... Oh là là. Mais tu sais, il faut prendre la semelle un peu en plastique pour qu'elle tienne bien, qu'elle soit robuste. D'accord. Et du coup, voilà, je me contente de ça puisque je peux pas m'offrir les hugs avec Y Project. Ce sont mes choses favorites. Les pierres pontiles. Ça roule. Ok. Ta paire la plus colorée. Bah, du coup, c'est celle que je t'ai montrée. J'ai pas beaucoup de. Moi, je suis pas très couleur. Hein. Ce sont des mules tout en moumoute. Moumoute fourrure. J'aime beaucoup. Et j'ai le sac assorti. Ok. Et c'est quelle marque ? Mango. Mango. Ouais, d'accord. Ce sont des mangos. Ils font des jolis accessoires, Mango. Et je les trouve hyper hyper jolies, ça fait un gros pied un peu, tu sais. Ok. Mais dans une tenue, ça fait tout. Sans celles-ci, sont mes petits nouveaux bébés, donc il faut absolument que je te les montre. Ce sont des mocassins Prada que j'ai sur Vinted. Vintage. Devine combien je les ai payés. Pas cher. 50€. 70. 70. Franchement, ça vaut le coup, non? Regarde, Bon, le dedans, il est un peu effacé. Ouais, mais bon, de toute façon, le dedans, il y a le pied, on s'en fout. Là, il y a écrit Prada. Tu sais, quand je les voulais trop, là, les... Les nouvelles. Ils l'ont offert Prada avec le monogramme dessus, là. Oui, bah oui. Mais moi aussi, c'est celle que je voulais. Ou les Dior, enfin... Elles sont trop belles. Mais du coup, j'ai trouvé ça, je me suis dit, bon, ça comblera un peu ma frustration. Ouais. Parce que la forme et tout, elle est hyper jolie. Et tu sais que je les ai achetés à un mec, il devait avoir des tout petits pieds parce qu'il faisait du 37. Pardon ? Bah ouais. Et le mec, bah écoute, trop clean, il me les a envoyés direct. Mais de toute façon, on va reparler de mes autres achats de luxe sur Vinted. Et ouais. À chaque fois, c'est à des mecs que je les achète. Putain. Donc comme quoi. Un mec qui fait du 37. Voilà, c'est mes petits bébés. Avoue que ça valait une question supplémentaire. Ouais, j'avoue. Ah. J'avoue. J'en ai racheté sneakers. Bien vu. On passe maintenant aux vêtements. Ah. Aux vêtements. Et tu vas me dire, tu vas nous dire ta pièce la plus chère. Du coup. Le mec dit tout en chantant. Ouais, c'est. Ben. Bah, c'est plus mélodieux. Du coup, c'est mon blazer Mugler. C'est quoi ça? C'est souple. Non, je fais parce qu'en fait, je l'ai vu hier et je l'ai essayé. Il est magnifique. Et il est trop beau et genre, j'ai failli lui voler, mais elle voulait pas. Donc. C'est ce blazer qui est magnifique. Enfin, il est bien oversize, il a des bonnes épaulettes. Bah, du coup, ouais, c'est un Mugler collection, je crois, 2019. Je crois qu'il est toujours en vente à 1690€. Ouais, de ouf. Et je l'ai eu à plus de 200€. Sur Vinted toujours. La vie est belle. Et le mec me l'a envoyé parce que je l'ai aussi acheté à un mec avec la petite housse et tout. Enfin vraiment hyper clean. Par contre, t'as pas honte de mettre ça sur un cintre Zara? On se calme, il m'a pas envoyé le cintre. Je vais pas l'inventer. Et pourquoi il a pas envoyé le cintre? C'est vrai qu'elle est belle par contre. Elle est magnifique. Est vraiment belle. Trop belle pièce. À l'intérieur, il y a la poche aussi Mugler. Dis-nous maintenant ta tenue la plus cosy. Du coup, ça serait mon jogging Collusion. Ok, Collusion. Ouais, Collusion Studio, bien. Ouais, bien, avec mon gros sweat que j'ai. Je sais pas quelle taille c'est. Bah, si, j'ai pris une taille 42 pour vraiment le truc. Soit oversize. Je sois vraiment à l'aise. Et du coup, avec le jogging qui va avec. Hop. Hop. Gros jogging aussi qui me va un peu trop grand. Il y a écrit Collusion en gros là-dessus. Bien. Et, du coup, ça c'est vraiment l'ensemble, tu vois. Il fait froid, t'as pas envie de t'habiller, ouais. Il pleut. Tu mets ça. Ah ouais, franchement, parfait. Et ça coûte pas très cher en plus, donc il vaut vraiment, vraiment le coup. Ouais. Ouais. Bien vu. Ça c'est pour mettre ça avec tes grosses hugs là. Oui. Ouais, mais tu vois, tu comprends vite. Ah ouais, ouais. Pour mon plus grand plaisir, waouh. Validé. On a vu que tu aimes beaucoup les manteaux. Effectivement.
Et du coup, quel manteau tu mets le plus? J'ai un peu mes périodes, j'avoue. Mais par exemple, attends, je vais aller là. Celui en ce moment que je vais mettre quand même régulièrement et pas mal, c'est celui-ci. Comme ça, il est moumoute. Ah ouais, moumoute intérieur. Intérieur, tout, mais à l'extérieur, tu vois, s'il pleut, je fais pas chien mouillé, quoi. Ouais, voilà. Alors que là, bon, presque tous là, ils ont tous des poils du coup quand il pleut. Pas mal du tout, hein. Et il vient d'où? Lui, c'est un monkey. Monkey, d'accord. Ouais, que il faut absolument pas surtailler, même si vous le trouvez de seconde main, parce que là, par exemple, c'est déjà du M. What? Et ouais, et pourtant, je suis considérée comme pas grande taille, mais un pour une, tu vois. En plus, je l'avais eu en solde à 30 euros. Montre-nous ta pièce la plus originale. J'en ai une, sachant que mon dressing est tout noir et blanc, on peut voir une pièce rose là. Bon, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup plus de pièces originales avec plein de paillettes, de machin et tout. Ok. Mais là, je sais pas, j'ai voué une obsession pour ce pull avec une tête de cheval et je l'aime trop. D'accord. Voilà, tout le monde le déteste. Même sur les réseaux, je l'ai montré, tout le monde le déteste. Bah, c'est pas pire que les pulls de Noël, quoi. Oui, mais sauf que les pulls de Noël, les gens ils se disent ah, c'est pour la période et tout, tu vois. Ouais. Moi, je mets ça avec mon petit pantalon en simili. Non, mais laissez les gens aimer les chevaux et les pulls avec des chevaux dessus. Merde. Ouais, non, mais je l'adore de toute façon. Pas vos problèmes. Bon, il y a plus original, hein, mais c'est vrai que mon dressing, il est très épuré. Ouais. Donne-nous tes basiques. Du coup, mon bon basique, mes bons basiques. Bah, déjà, moi, je suis beaucoup habillée en simili, donc je dirais qu'une combi en simili cuit chez moi, c'est un basique. D'accord. Mais sinon, je dirais un bon jean. J'en ai quand même pas mal, malgré le fait que j'en mets pas régulièrement. Celui-ci est vraiment cool parce qu'il est, tu vois, c'est un bon basique, mais en fait, tu sais, il a la fermeture comme ça. Ah oui, j'aime bien. Asymétrique, du coup, okay. Je trouve que tu vois, c'est genre le basique, mais. Un peu stylé, un peu. Ouais, un peu stylé, et je dirais, du coup, aussi avec. Et tu vois, il faut aussi la couleur un peu jean brut. Ouais, ouais. Et avec une bonne chemise blanche. Moi, je la prends oversize parce que je préfère. Mais tu vois, ouais, bah les deux, hein. Les deux, ce sont weekday. Ça aussi, c'est weekday. Weekday, ils font des belles sapes, hein. De ouf, des bons, bons basiques. Et ouais. Cette chemise, j'en raffole. Elle est trop belle. Elle est très cool. Pas mal du tout. Voilà. Très, très cool. Et du coup, pour finir, montre-nous ouais, ton accessoire préféré. Mon sac Chloé, que j'aime d'amour. Ah, il est pas mal, hein. C'est vraiment le sac que je porte bah, avec tout. C'est du croco, du reptile, c'est quoi? Non, non, c'est pas du croco. Ah bah, je sais pas. Non, non, là, c'est du cuir. Ok, donc c'est un petit sac Chloé. Ouais, il est vraiment magnifique. Sac le doré avec le kaki, je kiffe. Ouais, hein, en ça plus, on le voit pas chez tout le monde. Enfin, on la voit pas chez tout le monde, cette couleur, et je trouve que ça fait vraiment l'originalité. Ah, mais vraiment. Et c'est un sac, enfin, c'est mon premier sac de luxe, du coup, que j'ai acheté. D'accord. Et je trouve qu'il a une forme, enfin, il fait classe et basique, mais en même temps, tu vois, il a ce petit truc, on se dit, ah, il est un peu mode. Ouais, 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 ouais. Tu vois? Tout à fait, tout à fait. Du coup, je trouve que je peux le porter avec tout, et je pense qu'il me durera dans le temps. Ouais. Mais il est pas too much, il est pas hyper original. Non, ça va. Non, ça va. Tu vois, voilà. Le mec qui fait qu'il est par contre un petit C quelque part. Par là, un petit truc. Ouais, mais en fait, sur les. Là, c'est parce qu'il y a effet croco. Quand ils sont pas effet croco, ici, il y a écrit Chloé. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, ok. Mais. Que j'aime bien, c'est genre. J'aime pas forcément le matu vu, donc un gros truc, un gros monogramme, un gros truc. Ouais. Mais j'aime bien quand alors même. Que moi, je suis assez bling bling, tu vois. Ouais. Genre, un sac sans gros truc doré, comme ça, ça. Je trouve ça un peu. Pas fade, mais voilà, c'est son intérêt, ouais. Quoi. Ça me convainc pas forcément. D'accord. Tu vois. Et du coup, mon amour pour le bling bling se retrouve un petit peu dans ce sac. D'accord. Les potes, du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo les potes, j'espère que vous aurez apprécié le dressing de mademoiselle Charlotte Boulet. Et les potes, du coup pensez bien à vous abonner à la chaîne de Charlotte, à son Instagram, voilà, surtout pour vous mesdemoiselles qui kiffez la mode, parce que forcément je parle plus de mode, bah accès homme parce que je suis un mec, et elle accès femme parce que c'est une femme, donc voilà, allez voir sa chaîne YouTube, ses réseaux, etc. Ouais. Sera en barre d'infos sur l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner à Gaëlle ou pas. Évidemment, on espère les 5000 cette année. Ouais. Likez la vidéo pour qu'elle soit bien référencée. Le référencement en commentaire. Le petit commentaire, peut-être vous avez kiffé ça ou ça, telle pièce, machin. On connaît, hein. Du coup, les potes, prenez soin de vous, hein. Vraiment, prenez soin de vous. De l'amour en balle comme d'habitude, c'est important pour vous. Beaucoup d'amour. Et les potes, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Gros bisous. Ciao.